J'ai commencé à faire le lien avec la vision. C'est pour cela que quand on a eu le terrain que je suis allé te montrer, que je vais faire la vision ici, on a terrassé. On avait un peu d'argent pour mettre une bonne salle, une bonne vision pour commencer. Je me rapproche la deux visions. Quand je rentre le soir, je suis allé le lendemain. Un soir, je rentre comme ça, je dis qu'on parle avec toi. Quand on dit que nous on est toujours ici. Le même jour. Le même jour, c'est-à-dire, le départ de Bertoua n'a été apprêté en rien. On a seulement pris les cahiers des enfants. Et ils étaient à l'école. C'est-à-dire, toute la journée, la dernière journée du mois, on a dit que va avec seulement. Avec tout ce qu'on a, les gens, c'est la gens qui ont besoin de vivre juste en l'air, avec le cours. Le rêve qu'elle avait fait, ça me fortifiait. Les arbres qui pouvaient l'enduire, ça me faisait quelque chose. Comment la vision que tu avais filée, c'est quoi? C'est-à-dire que les arbres que j'ai dégagés, la désolation, je t'ai expliqué que j'ai vu les arbres qui avaient envahi la région. J'ai vu la carte du Cameroun et j'ai vu le morceau de la région de l'Est et ça bougeait, c'était vivant. Donc je suis parti du triangle national pour traverser la région de l'Est. Et quand j'ai traversé, tout le monde ne pouvait pas accéder ni avec les véhicules et les gens avaient abandonné leur maison parce que les baobabs sortaient de terre, détruisaient les maisons, fermaient la route, ça envahit partout. Et un ange m'a dit à Bali. Mais j'ai dit que tu vas abattre, ça va prendre un million, mais tu vas abattre ça. Et une petite épée est apparue dans mon main. Il m'a dit, ah bah. Quand j'ai essayé, j'ai frappé avec mon tête, ça va faire un bruit. Quand j'ai frappé, ça a coupé d'un coup. Mais quand c'est tombé, c'est devenu une herbe. C'était intriguant, une petite herbe au sol. Je coupe le deuxième en bas, quand ça tombe, petite herbe. Après avoir dégagé une petite parcelle comme ce, ce salon, les gens de la région, les gens ont fait, ils ont dit que ils ont commencé à battre, la vie est revenue, c'est-à-dire que l'encouragement, ça a libéré les rues, les maisons, et c'était un réveil. C'est là où une maman dit, de bête pour les nations. Quand elle fait le rêve de l'enfant, je commence à travailler sur le bête. Le départ de bête, on n'a pas réfléchi, ni hésité, ni préparé. On a laissé les terrains, les choses, on a vendu les terrains, comme je t'avais dit, 15 000. Un terrain pour l'église, le grand, et on va rester à mettre un petit témoin. Bon, je sais que tu comprends ces choses parce que tu es passé par des fois aussi plus compliquées, même aussi. Dans tout ça, à travers du Seigneur, et l'école des enfants, et la maison, et que on a 611 000 dans notre petit compte de départ. Le Seigneur est venu et dit, donne-moi tout ce que tu as. On a quitté le compte. Avec 11 500 dans le compte, parce que pour le fonds du compte, 1 500 qu'on a obtenu. On a eu notre maison pendant une femme qui est à Londres, qui suit sa maison dans le centre de l'Union, cela a eu un peu mangé, il s'est mis en place, il a une maison ici. Et une entreprise voulait prendre cette maison, parce que la cour est grande. On est arrivé, on a appelé le nom, la femme qui a répondu, on a appelé la maison, mais j'arrive pas là. Quand j'arrive à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, prends tous tes enfants, tu vas avec toi.
C'était un peu que moi j'ai obéi, j'ai pris le bébé et puis dès que la femme l'a mise à vue, elle a pratiquement tout les larmes dans l'église catholique. Elle a appelé sa soeur la main, elle a dit que c'est elle te demander, c'est pas le nom de la main. Et le temps, c'est l'homme de mon sang, un nom de Dieu. À 75 ans, une entreprise de l'école de 7 ans. Mais si comme ça, ça nous a beaucoup. Quand on est parti avec toi, si je me dis qu'on n'a pas regretté, au fond de moi, je me rappelle quand tu m'avais appelé. Tu m'as dit que si Dieu n'était pas là, j'allais envoyer mes voitures là-bas pour chercher les confinements. Ça aussi était un, je n'ai pas pris ça à la légère. Moi, ce que je me rappelle, c'est que la recours à la femme de l'État, ça c'est de voir les femmes, ça c'est les femmes de l'État en fait. Parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, expérimenté, à son jeune âge, elle est restée, elle n'a pas regardé au monde, elle n'a pas regardé avec elle-même. Je dis qu'à il y a un cadavre où vous vous couchez par terre. Un beau cadavre. Et quand juste couché par terre. Oui, c'est même grâce à elle parce que quand on est parti de la maison familiale avec la confusion de la maison familiale, quand j'ai trouvé la vieille maison, là, je suis parti avec une seule petite chambre qui était comme ça, mais elle est verte. Elle était enceinte d'Azer. C'est quand elle est arrivée, elle a dit que je me suis protégé. Elle a dit je me rends toute là à la maison familiale. Oui. C'est grâce à elle, là, justement, du coup, dans la confusion familiale, on a commencé à utiliser. Elle a jeté un petit tissu au sol, elle s'est couchée. C'était une partie comme ça qu'on a commencé à utiliser. Pas de lit. Pas de lit. Pas de matériel. On a pris les cartons des gens qui préparent, les cartons des congélateurs, que les gens enlèvent les congélateurs. Ils sont allés au chantier installer les bouches, les choses. Ils ont parlé des cartons, là, on a une partie. On a dormi sur les cartons. Nice. Enfin. À ce moment-là, je ne me sentais pas mal. Hein? C'est-à-dire même malgré vous dormiez par terre. Si j'étais là, ça suffisait pour moi. Quoi? Je savais que Dieu va nous aider. Elle disait toujours qu'on ne veut pas trop sa famille. Oui, je veux que quelqu'un vienne avoir pitié de moi. Parce que moi, je me sentais pas mal. C'est là où elle va. Mon frère. Je voulais même pas. Si quelqu'un arrive à côté de moi, qui commence à se comporter comme si je suis là. Et Dieu a fait quelque chose à Beto, l'une de ses camarades de Bouddha à l'ouest. Non, c'est l'autre qui était désolé vraiment de notre situation. Elle est partie chez sa camarade l'autre jour avec sa camarade. Quelle aventure. On a étudié. Tu n'as pas changé physiquement, mais tu as changé autrement physiquement, c'est toi. Oui. Mais c'est Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses. Mon épouse, quand je lui dis qu'on part, elle est vraiment le plus de cette question. Quand je lui dis que Dieu m'a dit, elle est valide. Les enfants devaient aller à l'école lundi. Donc, il n'y a rien qui nous pousse. Je vais les laisser finir l'école, je m'avance. Là, il y a 13 ans, là aussi, ça va. Si tu es là-bas de corps, que tu es le cœur, si tu n'es pas parti, parti, c'est parti. Et on est arrivé à Robaptiste. Et l'école, on a trouvé un pasteur. Dès que j'ai expliqué ma situation au pasteur, le pasteur, là, j'ai dit que non, mes enfants commencent l'école maintenant. Tu as une grâce terrible. Ton mari a une grâce. C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle la clé de David. Là, ça, c'est lui. Et quand elle arrive quelque part, il a accepté, il a accès. Donc, on voit, c'est un parfum puissant, quoi. Ça regarde les terrains partout. Moi, ma femme, comme l'offre, on va le prendre. L'autre m'a offert le terrain à Combot. Combien d'hectares là? J'annonce à l'église, je le présente même. Et voici, enfin, pour la première fois, moi aussi, quelqu'un au terrain
orageux de ce terrain et tout ça là. Et les gens sont contents, Dieu refait des plantations dans la situation. Les gens, ouais. Le lendemain, il m'apporte un papier. Il me dit que bon, pour le terrain là, il faudra verser, il faut me verser quand même, parce que vous savez, la famille, pas dans les papiers qu'on a fait, les gens, des oncles doivent boire et tout ça là. Pour verser même 18 millions là. 18 millions là, ça veut dire que l'espace qu'il me donne là, c'était dans les 3-4 000 mètres carrés. Je lui ai dit que mon frère, devant l'église, il a dit que tu nous offres. Tu vas parler des 18 millions. Maintenant, ici, tu vas me parler de 18 millions. Et non, il faut laisser. Il est parti. Mais aujourd'hui, pour dire la vérité, trouver des femmes, une femme d'homme de Dieu, à la mesure de la tienne, c'est difficile. C'est devenu presque impossible. Une femme qui peut tout quitter pour un homme, et un serviteur de Dieu, et qui peut accepter dormir par terre. Et que tu lui dises que Dieu m'a dit, elle dit, ça va comme mari, si c'est le terrain, allons-y. Non, mon frère, Dieu t'a pris de nous. J'appelle d'abord Méga. Elle non, c'est pas Méga. C'est moi. Il dit, ok, la mère. Oh là là. La mère, ça fait longtemps, c'est longtemps que je cherchais. Je suis bien là, je me suis dit, ok, à comprendre. Mais voilà. J'ai compris. Tu veux pas comme si c'est quelqu'un d'autre que tu appelais. Et la mère, ça fait longtemps, vraiment, la maison, ça va comment? Les enfants vont bien. Le voisin de gauche, là, comment il va? Et celui de droite, est-ce qu'il se porte aussi bien? Oh, la mère, la voiture va comment? Elle dit non, la voiture va bien. Elle dit la cour, tu as bien parlé. On cause. Après, elle dit, mon frère, où? Et si maintenant qu'elle a posé, comment ça va? C'est la diplomatie. Là, j'ai demandé, je sais ton mari depuis, j'appelle partout, là, je ne l'aime pas. Elle me dit que, moi, je ne sais pas où il est. Je suis d'abord 50 ans. Elle dit, pardon. Elle dit, mais moi, je ne sais pas où il est. Je lui ai dit, attends, comment ton mari, qui sait où il est, elle dit, moi, j'appelle, ça ne passe pas. Bon, peut-être qu'il doit être dans une forêt ou au sommet d'une montagne, en train de prier. Donc, ça m'a marqué. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que les femmes, aujourd'hui, c'est pas ça. Peut-être hein? Après, ça me passe pas une fois, deux fois. Et des fois, t'attends. Justement, je voulais justement la soirée que tu as envie. Quand t'appelles, dis qu'elle veut la soirée. Moi, je l'ai dit. Hein? Je l'ai dit clairement. Dis que la femme que Dieu t'a donnée là, c'est une perle rare. Parce que, genre, une femme là, elle t'appelle, tu ne décroches pas, ça ne passe pas, elle est en paix, elle ne fait pas de problème. Elle dit que je voulais seulement savoir si tu as envie. Non, les femmes, la plupart des femmes là, c'est les hommes de Dieu ici dehors. Tu vas arriver pour ça, va te porter fort, elle va dire que tu es de ce qu'elle porte. Mais je t'ai dit ça, non? Je t'ai dit ça. Tu vas te demander que tu étais où? Dans tes fonds, parce que c'est sûr que tu étais chez une femme. Donc, tu vois, et cette tas de choses-là, ça te donne une paix et une quiétude profonde. Et c'est un grand secret du succès dans le monde. Parce que tout ce qui peut troubler le cœur d'un homme de Dieu qui cherche Dieu, parce que le problème dans cette affaire, c'est de connaître spirituellement ton conjoint, en fait. Savoir que non, ça c'est un nazir, c'est un homme consacré, c'est une femme consacrée. Tu vois. Et ça te donne. Ça fait du bien profondément. Et ça te donne la paix. Et dans le ministère, tu te lâches complètement.
Parce que ça évite beaucoup de poisons, de problèmes inutiles qui sont évitables et inutiles. Donc, Dieu t'a donné de plus grandes richesses en fait. Et moi, sincèrement, je te dis, et je répète, que ta saison sera brutale. Elle sera brutale, faudra se battre à l'ombre. Faudra veiller sur lui parce que. Tu es je suis pour on ne s'en sort pas. Elle te dirait des paroles amères qui te troubleraient encore plus qu'une épreuve que le Seigneur te fait vivre. Mais ça, mon frère, ça c'est le genre de femme que lorsque le Seigneur va mettre la couronne de gloire, et l'amour est bien. Ça c'est puissant. Le genre de femme, ça c'est le genre de femme que. Quand la gloire arrive, tu la mets de côté, Dieu te donne une gifle pour tes dents pour te dire. Pour te dire que ça c'est. Quand j'étais témoin entre toi et la femme de la jeunesse. Et ça c'est important, dormir par terre. Dormir par terre, c'est pas possible. Passer des jours avec les enfants sans manger. Mais elle est calme. Dieu va te bénir, Dieu va t'amener très bien. Et une adoratrice de maman va nous faire une acapella après. De toi, bois de l'eau. Je demande l'eau. Demande, elle n'a pas pris sa guitare. Moi, tu sais, quand je suis arrivé chez vous, la première fois que j'arrive chez vous, c'était en 2010. C'était 2011. Hein? Non, depuis 2013. Quand je suis arrivé, quand la petite qui oui. Je m'en ai dit quand même sur la petite madame. C'était 2013. Oui. Le 12, elle est dans la même. C'est 2013. Comment je me suis dit, j'ai déjà conservé moi. Là, il a commencé. On est en Rousseau. C'est la peau d'une maman. C'était un Rousseau. Le Rousseau, c'est 2012. Et dans un Rousseau, on est en 2012. Là, c'est en 2012, en avril, que je commence. Avril, on est ouvert comme sport. Non, on s'est promis, Maya, c'est comme ça, non, parce qu'elle était au bébé. Elle était dans les 2012, tu avais sa grossesse. Parce qu'on est arrivé jusqu'à la durée
Tu avais chanté avec ton fils, ça m'a fait toi aussi, qui était à bon amour. En tout cas, oui, il y a l'année, il y a une chance que tu avais chanté l'éternel. Non, il y a une autre. Je vois des lieux, des anges, des bonnes. Saint, et l'éternel. Oh. Saint, Saint, Saint,
qu'à chaque fois que les gens se pensent à toi, je me souviens de toi, à New York. J'avais vu une prophétie là-bas, je t'avais parlé de ça, je suis là. Non, je suis à mon niveau. Oui, oui. Tant même pas sur mon frère, à ton frère. Si le feu
ton autel touche ma vie. Demandons au Seigneur de répandre sur nous un manteau nouveau. Que son feu descende sur nos vies pour sanctifier nos vies. Seigneur, que le feu qui est sur ton autel descende sur nos vies ce soir. Baron, Magena, Oudassara, Wadari, Wadani, Saro, Samenade, Dikawa, Anna, Odor, Semata, Baron, Saina, Ifalou, Samane, Karo, Filosimata. Warabana uton feradias manushi blizzards. Contenda iwa ilogios barosana talsima. Barante iwa ina rosa wa alas malta. Raujelas monodina. Urbinato wa ina sozo. Dias mancha ritaus. Ulafo wa ana mountain wa ino dola siras. Baluka ina uolgini. Walunas malta ujena. Wadias parujelas inaj. Wa ana usmate ikultoga. Allora banna orasi asman sharia baratina sawa al-garifla damam waseta selas wa inoslo c'est le feu qui est sur ton hôtel, c'est le feu de ton hôtel de Dieu. Que ce feu, Seigneur, nous sanctifie, que ce feu embrasse en nous, Seigneur, ta volonté, que ce feu allume ta volonté, soyons embrassés par le zèle de ta maison, Jésus. Renouvelle nos forces, Seigneur, renouvelle nos forces. Que notre alliance soit libérée, Jésus. Maria, Wano, Kamianai, Wainos, Paudaria, Luca, Wanampa, Filaïda, Inarota, Faros, Mainai, Purna, Anas, Mario, Zai, Flaza, Wanuka, Rufita, Unaida, Wanos, Paudiasper, Incarita, Ode, Enovarot, Minaita, Icarufla, Esna, Wanuka, Ode, Inovarot, sa prison, c'est là, sa prison.
présence est là, est là. Que cette nation et des nations sont. Que les forteresses de l'Est soient renversées. Que les forteresses des 10 régions du Cameroun soient renversées par la puissance de l'Évangile. Saint-Esprit, oigne-nous, barrage. Oigne-nous, Jésus, barouka. Oigne-nous, mort. Barrage-yas. Oigne-nous, Seigneur, Gouraki. Oigne-nous, dit Dieu, Manouta. Oigne-nous, Seigneur, pour renverser les forteresses de cette nation. Au nom de Jésus-Christ, l'ange de la mort, l'ange de Jésus de mort, l'esprit de la sorcellerie, la prince de la sorcellerie, dans les 10 régions de la nation et dans toutes les nations de la terre, tu nous enverras. Ô Dieu, prends notre autorité. Bora Itaou, Garenne, 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 Wa Itaou, Baroi, Innaous La, Barotias, Manofer, Manoi, wa inukum, iloza wa anata, rabanai lo, esloka wa inos merat, panos wa inaflis, inakeri, wa ijimanta lokari, wa anna elta, rabana ut, moradias morafio, wa inakulamita wa anaslo, balukari na rosa manta res, feroti naria, balukarita manutei, Oleko, Oleko, Maliti, wa inna baruki anau eloiki, inna stera, anas mora vios, petros me edari wa inokarnei, wa rabnau talsarika, anur wa inna strash, ebrodei wa inora ikarnata, antalas wa inostros enfrodei, kompila ida wa anna roketa, asmera udalia nuta, omelaki anasa lata baruki mansa eva, dans la terre, wa inna smarote, Seigneur, Baen, wa inna no, reviens-nous, Jésus, reviens-nous, Seigneur, varia-nous, wa guerta, wa innos men, Seigneur, reviens-nous, Jésus, pour ta gloire, reviens-nous, éternel, pour ta gloire, parodias manorei, wa innostraf, encaltei, manota, wa annazoli, barote, en flosa, en taille. Père éternel, nous te bénissons et prosternés devant ton trône éternel, nous te bénissons. Nous reconnaissons ta royauté et ta seigneurie sur nous, sur nos vies, nos familles, sur notre nation et sur toutes les nations de la terre. Nous bénissons les saints sacerdoces et le saint appel que tu nous as adressé. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que sur nous, ton regard a été jeté pour nous faire grâce, pour nous choisir, afin que nous soyons des principaux dans ton peuple, des chefs de 10, de 100, de 1000, de 10 000 pour ta gloire. Seigneur, nous soumettons nos vies à toi, nous soumettons nos vocations. Nous sommes des instruments inutiles, mais Seigneur, tu peux nous rendre utiles. Utiles pour ton nom, utiles pour ton Église, utiles pour les nations, utiles pour nous-mêmes. Utile pour nos familles. Seigneur Dieu, tu sais de quoi nous sommes faits, poussière, de vases fragiles, que toi seul peux fortifier et soutenir. Nous demandons que tu nous remplisses, comme un homme remplit sa coupe de son vin. Seigneur, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de la sagesse des fils d'Issachar, remplis-nous du discernement du mystère des temps et des saisons. Seigneur, donne-nous autorité sur les nations, en ton nom. Que tout soit pour ta gloire et pour la gloire de ton nom. Éternel, donne-nous autorité sur les principautés. Donne-nous autorité sur les esprits impurs. Donne-nous autorité sur les forces des ténèbres. Donne-nous autorité sur Abaddon. Donne-nous autorité sur la mort
et sur le séjour des morts. Partout nous arriverons, faites de nous la lumière qui vit dans les ténèbres. Amen. La parole dit la lumière vit dans les ténèbres, les ténèbres voient la lumière et s'enfuient. Seigneur, qu'aucune puissance des ténèbres ne résiste devant nous. En nous voyant, elle s'enfuit selon la parole, la parole de la prophétie. Nous sommes que des vermisseaux, au moindre d'entre les 10 milliers d'Israël. Mais Seigneur, il t'a plu de nous choisir. Maintenant, glorifie ton nom à travers nos vies, nos faibles vies, nos vies si fragiles, nos vies si éphémères. Saint-Esprit, remplis-nous d'une onction débordante. Ouvre nos yeux pour voir, ouvre nos oreilles pour entendre. Délivre nos langues pour parler en ton nom. Ô Dieu aux nations, ainsi parle l'Éternel. Ô Dieu aux nations et au roi de la terre, au roi de la terre, ainsi parle l'Éternel. Ô Dieu au prince, ainsi parle l'Éternel. Ô Dieu à l'esclave, ainsi parle l'Éternel. Ô Dieu aux riches et aux pauvres, ainsi parle l'Éternel. Ô Dieu aux vieillards et aux jeunes, ainsi parle l'Éternel. Seigneur Dieu, sanctifie-nous, afin que nous sanctifions ton nom dans ton Église. Délivre-nous de toute souillure. Délivre-nous de toute infirmité, de tout piège de Satan. Je l'ai dit à ton sujet, c'est lui qui te délivre du filet de l'enseur. Tu ne permettras pas que le filet nous englobe, mais tu le déchireras et laisseras l'oiseau s'envoler. Nous nous envolerons vers les horizons que toi tu as choisis pour nous. Sauf le Cameroun. Sauve les nations de la terre. Amen. Bénis ton Église. Amen. Seigneur, rends la gloire à ton Église. Sors de l'Église de la division. Sors de l'Église des problèmes, Amen. Des guerres inutiles, Amen. Des guerres fratricides, Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous rêvons de cette terre, de cette époque, de cette saison, où tes serviteurs seront unis, unis pour la seule et même cause, celle de voir l'Évangile se répandre dans le monde entier. Amen. Nous prions pour les nations qui ne te connaissent pas. Seigneur, suscite des ouvriers fidèles qui iront vers ces nations prêcher le message de la repentance, afin que plusieurs retournent à Christ, soient sauvés de l'enfer et que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment exceptionnel. Nous avons grandi, nous avons été nourris, nous sommes rassasiés, tu nous as bénis abondamment et l'onction que tu nous as donnée, Seigneur, nous marcherons encore longtemps comme Élie. Jusqu'au mont Carmel, nous verrons la révélation de Dieu. Amen. Merci pour ton moine, merci pour sa femme, merci pour sa merveilleuse famille. Amen. Les choses qu'ils ont vues, les choses qu'ils ont entendues, nous savons qu'elles vont s'accomplir. Amen. Elles s'accompliront avec fracas. Amen. Elles s'accompliront violemment sur notre génération. Amen. Ce sera une notion brutale, Amen. Telle que l'œil n'en a jamais vu, telle que ce sont des choses qui sont comme au cœur de l'homme. Seigneur, des choses que nous aurons à découvrir, en cette époque, nous dirons, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Ces choses seront accomplies en son temps, parce que l'Éternel est souverain, il doit mettre les temps, les saisons et les circonstances. Mais Dieu qui a parlé est fidèle. C'est que ta bouche dit, ta droite l'exécute, ton serviteur verra ton salut. Après tant d'années d'épreuves, de souffrances, d'humiliation, de honte, de moquerie, de sarcasme, de risée, de rejet, de mépris, parfois même venant de ses propres frères, de ses collègues, l'Éternel les a remis. Je sais une chose, c'est ce que tu m'as dit, ce que tu m'as montré. Ton serviteur, tu le hisseras sur tes hauteurs où peu d'hommes de Dieu sont arrivés dans ces générations. Aucune de ses visions ne lui sera volée. Amen. Comme tu as préservé les visions de Joseph, Seigneur, tu préserves en ton sein toutes les visions que tu lui as montrées, que tu as montrées à sa tendre épouse, tu leur donneras la santé, la vigueur du lion, la longévité, pour amener cette œuvre jusqu'à son achèvement. Lorsque la saison viendra, Seigneur, je prie juste pour une chose, qu'il soit humble, qu'il ne change pas, qu'il ne dédaigne point l'homme du pauvre, qu'il ne méprise pas ceux qui seront dans leur faible commencement, mais que l'humilité, malgré leur position, leur fasse voir les autres comme étant supérieurs à eux. Que leur cœur soit plein de simplicité, d'humilité, de fidélité, de loyauté. Ainsi est écrit, lorsque tu habiteras des maisons que ta main n'aura point bâtie, lorsque tu boiras du fruit de la vie que tu n'auras point planté.
lorsqu'il mangera et te rassagira. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Il ne dira pas en ton cœur, c'est ma main qui m'a produit toutes ces choses. Éternel, que cette parole soit le sceau qui veillera sur eux. Qu'ils se gardent de frapper la poitrine, qu'ils se gardent de se glorifier, mais qu'ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui aura accompli toutes ces choses pour sa gloire. Père, sauve-nous de l'orgueil, l'orgueil de notre génération. Seigneur, délivre-nous de l'aveuglement, sauve-nous de l'immaturité, de la prétention, du manque d'humilité. Donne-nous d'être, de mourir en nous-mêmes, de mourir complètement et de laisser Jésus vivre en nous. Seigneur, nous ne voulons pas dédaigner l'homme du pauvre. Nous ne voulons pas dédaigner ceux qui ont le faible commencement. Nous voulons nous souvenir que nous sommes comme eux. Que c'est toi qui prends les pauvres de la poussière de la terre et les indigents du fumier. Et c'est toi qui les fais asseoir à table avec les grands pays. Éternel, que chacun de nous se souvienne de toutes ces paroles. Que chacun soit petit à ses yeux, regardant l'autre comme étant supérieur à lui, afin de préserver le patrimoine et l'héritage. Ainsi nous irons loin, nous aurons la longévité avec toi. Et aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Pendant que nous nous relevons, nous sommes différents. Comme la Bible le dit de Saül, lorsque Saül se sépara de Samuel, il fut changé en un autre homme. Seigneur, nous sommes changés en quelqu'un d'autre. En cette image parfaite qui émane de toi, pouvons dire tel tu es, tel nous sommes, Seigneur. Et nous prions que cette image soit en nous jusqu'à notre mort. Rends-nous fidèles jusqu'à la mort. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Tu es digne d'être adoré.